La neutralité de carbone, c'est une notion assez vague, assez récente. Et personnellement, je trouve que c'est une notion qui est encore trop imprécise pour qu'on puisse se dire exactement comment on va pouvoir la mettre dans les politiques publiques. Mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas qu'on descende trop bas, parce que ça va être compliqué à mettre en œuvre. Il va y avoir prenons l'exemple, j'y pensais en venant, des taxis. Vous avez les taxis. Si vous dites qu'il faut qu'ils soient neutres en carbone, il faudrait déjà qu'il existe des matériels, des voitures qui permettent aux taxis de pouvoir se déplacer sans émettre de CO2. Il faudrait qu'il y ait des incitations pour le faire, il faudrait qu'il y ait des accompagnements. Donc il y a un ensemble d'infrastructures, de matériel et de politiques qu'il faut mettre en place. Donc, est-ce qu'il faut d'ores et déjà parler de neutralité carbone à des niveaux aussi micro? Je ne suis pas convaincue. Je ne suis même pas convaincue que ça ait du sens. Moi, je pense davantage à des questions de territoire et d'économie circulaire, éventuellement de secteur, de notion de chaîne de valeur. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur ce que ça veut dire, la neutralité carbone. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à la réduction des émissions de CO2? Attention à ne pas ouvrir grand la porte de « on émet beaucoup et on compense beaucoup ». Donc il y a un sujet sur comment est-ce qu'on va construire une politique sur la neutralité carbone. Je pense qu'on est en train d'y réfléchir et qu'il est très 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 tôt. On est trop en amont pour savoir ce que ça va vouloir dire dans les tissus les plus décentralisés comme les PMI, PME. Est-ce qu'on est déjà à réfléchir à un cadre? Je ne pense pas, mais je pense qu'il sera nécessaire effectivement que les réflexions soient territoriales. Je pense que les chambres de commerce auront un rôle parce que c'est des acteurs qui vont atteindre plus facilement les PMI-PME. Il y a un rôle vraisemblablement des donneurs d'ordre, un rôle vraisemblablement des territoires, un rôle vraisemblablement des chambres consulaires. Mais pour l'instant, on est encore trop tôt. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut faire très très attention. Neutralité carbone, c'est un concept intéressant parce que c'est plus facile que de dire qu'on va être sans carbone, mais c'est un concept qui ouvre la porte à des choses qui... Bon, je pense qu'il faut d'abord réduire les émissions de CO2. C'est un peu comme pour la biodiversité. Vous savez, on commence par évaluer son impact et on le réduit autant qu'on peut. Et quand on a vu qu'on ne pouvait plus réduire, à ce moment-là, on commence à compenser. Je pense que sur le carbone, il va falloir faire attention à être dans le même genre de démarche. Donc la première chose, c'est baisser les émissions de CO2. Et là, aujourd'hui, on a besoin d'accompagner incontestablement des tissus industriels comme les sous-traitants, les PMI-PME, au plus près pour les aider à réduire leurs émissions de CO2. Et là, il y a besoin de politique publique, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de choses comme ça. Une fois qu'on aura vu comment réduire les émissions de CO2, on verra qu'est-ce quelle part est à compenser, quelle part se trouve dans une approche territoriale avec un territoire qui compensera. Je pense qu'il est trop tôt pour dire quelque chose de très précis là-dessus. A priori, ça semble raisonnable, encore que ça va vraiment avoir il faut vraiment avoir des approches territoriales. Je pense qu'il ne faut pas se couper des différences territoriales. On ne vit pas de la même façon dans les Alpes, à Marseille ou à Paris. Et donc, on ne va pas avoir les mêmes impacts pour les mêmes actions. Donc, je pense qu'il faut être à la fois oui et à la fois non. Il faut être systémique. Hein. Oui, il faudra sûrement le faire, mais il faudra aussi faire attention aux particularités locales. C'est une question bien compliquée. Je pense qu'il faut que les accompagnements, quand on en sera là, et encore une fois, je pense qu'on n'en est pas encore là, quand on en sera là, oui, il faudra de l'accompagnement. Simplement, il faut penser aussi que le patron d'une petite boîte, il est souvent tout seul. Donc la formation, ça veut dire que c'est du temps pendant lequel il ne travaille pas. Donc il va falloir réfléchir un petit peu comment on peut mettre ça en place. Je pense franchement qu'on n'en est pas encore là.